serval, gros chat sauvage de la savane. Le serval est un félin africain au pelage jaunâtre tacheté de noir. Ces animaux sont utilisés comme animaux domestiques exotiques ou pour l'élevage de chats savana, une race de chats issue d'un croisement entre un chat sauvage et un chat domestique. Mais ce félin est un animal sauvage qui n'a pas sa place dans un foyer privé. Le serval est un carnivore qui appartient à la famille des félidés et au genre Leptelurus dont il est la seule espèce. C'est l'un des carnivores les plus répandus sur le continent africain, que l'on rencontre principalement dans la savane là où, du fait de la présence de marais, l'herbe est haute et l'humidité omniprésente. Il a le même ancêtre que le lion, mais on peut aussi noter que le serval constitue à lui seul une lignée bien spécifique. Il ne pourrait donc être assimilé aux autres félins, à l'exception du caracal et du chat doré africain dont il pourrait être proche tel que cela semble avoir été démontré par certaines études scientifiques menées à partir d'analyses ADN. Le serval est longiligne, avec des pattes fines et élancées ainsi qu'un long cou. Sa tête étroite est surmontée de deux oreilles à la forme arrondie. En fonction des individus, la fourrure comporte soit des taches, soit des points. Elle peut aussi être simplement marquée au niveau de la queue où l'on peut constater des anneaux et des taches sur le front. De plus, la couleur du serval est variable. Certains arborent un pelage noir. Un génotype particulier que l'on nomme le mélanisme. On a aussi relevé quelques rares cas de serval à pelage blanc dû à un déficit pigmentaire, le leucisme appelé également leucistisme. C'est une particularité génétique. À l'âge adulte, le mâle mesure au maximum 66 cm au garrot, 112 cm de longueur pour un poids compris entre 12 et 26 kg. La femelle est plus petite, moins longue et son poids peut être de 10 à 16 kg. L'espérance de vie du serval est d'une vingtaine d'années. Ce carnivore de la savane africaine est crépusculaire, c'est-à-dire qu'il chasse du crépuscule à l'aube. Il se nourrit essentiellement de petits animaux pesant tout au plus 200 grammes tels que les damans, les lapins, les rats, les grenouilles et même des insectes. Peu de temps entend s'attaquer aux dic-dic appartenant au genre Madoka qui ne sont autres que des antilopes naines dont le poids se situe entre 3 et 6 kg. Le serval dévore ses proies entières lorsqu'il s'agit de petits animaux, mais rejette sabots, entrailles, bec et peau des plus gros. Il peut effectuer des bonds de 3 mètres et atteindre des pointes de 80 kg par heure grâce à ses longues pattes lui permettant de chasser de façon efficace les animaux rapides. C'est un excellent chasseur qui parvient à attraper plus de la moitié des proies qu'il poursuit. Après s'en être emparé, il joue quelques instants avec sa victime puis la tue. Il n'hésite pas à défendre sa pitance en s'opposant à d'autres prédateurs de façon extrêmement farouche. Le niveau d'agressivité chez les servals à ces moments-là est encore plus élevé chez les mâles que chez les femelles. Chez les servals, la gestation peut durer entre 2 et 2 mois un demi. Chaque femelle peut avoir jusqu'à 2 portées par an, chacune pouvant compter 3 petits au maximum. Elle les allaite et les tient en lieu sûr dans un nid confectionné au milieu des herbes hautes, entre des arbrisseaux, ou bien encore dans une tanière abandonnée par d'autres animaux comme les oryctéropes du Cap par exemple. Les jeunes servals atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, il a déserté les zones à forte concentration humaine.
Bien que chassé pour sa fourrure, le serval n'est pas une espèce menacée pour le moment. Il est donc classé parmi les préoccupations mineures sur la liste des espèces menacées d'extinction. Pour des raisons éthiques, il ne faut pas acheter de serval ou de chat savana. Les servals vivent à l'état sauvage en Afrique et ce n'est que là qu'ils peuvent mener une vie conforme aux besoins de leur espèce. N'oubliez pas non plus que les animaux sauvages sont souvent capturés et commercialisés illégalement. Vous ne devez pas soutenir de telles activités criminelles. Vous ne devez pas non plus encourager l'élevage de chats hybrides par votre demande. En effet, cette pratique est synonyme de grande souffrance pour les animaux. À la place, cherchez plutôt à adopter un chat domestique plus traditionnel. Eux aussi peuvent parfois être sauvages. Sa commercialisation comme sa détention sont toutefois réglementées depuis 2004 en France et depuis une modification datant de 2010, un arrêté dispose que seuls les établissements d'élevage réglementés et ceux habilités à présenter des animaux d'espèces non domestiques au public sont autorisés à détenir des servals. Sa détention est donc soumise à autorisation préfectorale et l'intéressé doit posséder un certificat de capacité. À noter que ce carnivore de plus de 6 kg est classé parmi les espèces dangereuses, selon l'arrêté du 5 août 2008. Les animaux qui vivent en captivité peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Dans la nature, ils ne vivent généralement pas aussi longtemps. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.